Yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Corinthe. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons une sécession. Donc j'ai fait passer quelques tours, hein, voilà les tours de déplacement, de recrutement, de fabrication de bâtiments. Bon, bah, j'ai pas pu empêcher les disciples des rats de faire une sécession. C'est pas très très grave en soi. Je vais tout de même avoir besoin de lever une armée à Pronoï. Voilà, recruter des mercenaires. Heureusement, je viens d'avoir une entrée d'argent assez conséquente. Voilà, ça coûte pas si cher, hein, ouais, les mercenaires. Voilà, et avec ce navire, j'irai très très vite à Zakynth, qui est actuellement leur la seule ville qu'ils ont pris. Ouais, c'était leur région. Ensuite, ouais, on va continuer à faire un petit peu de construction, bien évidemment. Et surtout, j'ai déjà plus d'argent. Voilà. Voilà, de petites flottes qui traînent, on sait pas trop ce qu'ils font là. Et surtout, voilà, on s'approche. Ici, dans 3 tours, on a le recrutement qui est fait. Et on prend Paros, donc la capitale grecque, le tour prochain. La capitale athénienne. Je vais pas y arriver, les gars. Le tour prochain. Allez. Ouais, ici, ça risque rien. Pas mal de hoplites. Des archers. Allez, oh oui, expert en siège. Ce sera parfait. Ouais, j'ai déplacement d'armée, donc une armée qui va vers la capitale, donc vers Corinthe, pour s'occuper de Sparte. Et une autre armée qui va à l'est pour s'occuper d'Athènes. Ok, plusieurs revenus de commerce, c'est bien. On va faire attention, c'est bientôt l'automne. Donc qui dit automne dit revenu en baisse. Et en forte baisse même. Enseignement sophiste, plus 8% de richesse de l'éducation, bien bien. Ça nous mettrait combien? Oh, beaucoup de tours. Allez, au tour prochain, on y est. On fait un blocus avec l'armée terrestre. Je peux pas. Ah bah non. On peut pas débarquer, il n'y a que un port. Eh ben, qu'il en soit ainsi. Résolution mode agressif. On prend une capitale. Bon, une capitale athénienne, certes, mais une capitale tout de même. Ok, dans 2 tours, on a la construction qui est faite. Voyons voir. Très bien. Toujours de la nourriture, hein. On voit que là ça devient compliqué en nourriture et pourtant on en vole. Hein. Ah ouais, avec l'hiver ça ira pas mieux. J'avais oublié ça aussi. Ok. Et hop, allez, on va faire une petite attaque. Le temps qu'on y arrive, ce sera le printemps peut-être. C'est une possibilité. Allez, on améliore. On améliore. Ouf. Tauronnet, il risque rien, parce que là je vois forcément il y a Myrina. Faut faire attention aux Athéniens. Ça devrait passer. La Guétolienne fait l'assaut de Athènes. Ok. Ici j'ai ce qu'il faut également. On améliore. Ah, vous me devez beaucoup. Bah écoutez, avec les intérêts, ça fera tant. Alors, nouveau parti créé. Ah oui, forcément. Ah mince, ah, d'ailleurs. Finissons-en rapidement.
Résolution automatique. Ah, tant que je perds pas de flotte, ça me... Soit. Et on poursuivra avec, avec la armée de mercenaires. Ça coûte cher là. J'ai quelques soucis en argent. Allez. Ouais. Je vais en dissoudre une partie là. Vous savez, là, j'ai vu que sur mon armée, il y en a une partie qui a pris cher. Toute la cavalerie là. Voilà, on sera pas en négatif le tour prochain. Mais bon, on n'aura pas de ce, le malus dû au manque d'argent, c'est le tour prochain. Ok, beau parleur, ça c'est bien. Hop, un petit stratège, c'est bien. On enchaîne avec Nak. C'est pas une ville terrestre. Il n'y a pas de port ici. Tu vas pas me dire, ah si, ouais. Ils sont en guerre, Athènes et Sparte encore? Ils n'avaient pas fait la paix? Ah non, ah oui, ah, mais effectivement, ils sont en guerre. Je l'avais pas vu. Rhodes. Non, ils sont en guerre avec la Ligue étolienne qui sont mes alliés, donc non. Voilà, alors. On avait dit avec cette armée, on... Ah bah non. On finit cela. Alors là, hein, ça fait partie de mes troupes en plus, donc ça me fera pas mal. On verra pas mal grâce à ça. Voilà, résolution mode équilibré. Plus de séparatistes corinthiens. Hop, on va hacker. Ah, pas apparemment pas ce tour-là. Mon amiral. L'augmente, on dissout cette armée qui nous coûte, qui nous coûtait du coup 4000 quand même par tour. Hein. C'est pas rien. Voilà. Une petite résolution automatique. Mode équilibré. J'allais dire en général ça évite les pertes apparemment, non? Qu'est-ce que c'est ça? Moins de piraterie, plus de portée. Bonus. Oh, bonus de bélier. Ah ouais, je prends. Hop. C'est parfait ça. Et contester, contester, pourquoi contester? Ah, ok. Les Guilloniennes là-bas. Ici, on est aussi en contesté. Ah ouais, en même temps, beaucoup trop de terre. Les Guilloniennes qui est assez forte, mine de rien. Faut faire attention à eux. Vous savez quoi, on va d'ailleurs aller les embêter. Je voulais aller là, mais là ça fait un peu, ça fait beaucoup trop de trajet, je pense. On va aller à Hanoï. Qui es-tu? Ouais, je risque pas grand-chose ici. Voilà. Trois de nourriture. L'hiver est rude. Hein. L'hiver est sacrément rude. Attends, pourquoi là il y a une toute petite tache ici là? Il y aura un terrain. Ah non, c'est le lac. Ok. Je croyais qu'il était à moi, mais non. Dommage. Allez, résolution automatique. Mode équilibré. Ah mince, c'est pas bon ça, je vais perdre la nourriture. On espère déjà. Hop, on verra ça le tour prochain. Ah quoique non, bah non, ils produisent beaucoup de nourriture ici. Parfait.
Comme ça, j'ai Amphipolis qui est... Enfin, la région d'Amphipolis qui est totalement à moi. Avec Béné, en avant, ouais. On y est loin. On y est très très loin. Ah, en soi, j'ai l'Ambracie, donc là, qui est côte est. Ouest, pardon. La Crète, on est en bonne voie. Bon, là, c'est la pire. Et tout ce qui est là, ça peut aller très très vite. Hein. Là, ça peut aller très 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 vite. Bon, pas avec cette vitesse de déplacement, certes, mais ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, d'accord, oui. J'ai une armée de terre, hein, de toute façon. Ça passe pas en résolution automatique. Moi, je vais mener la bataille sur le champ, du coup, on se retrouve juste après. Bon, une bataille très buggée. Vraiment très buggée. Vous avez rien loupé, hein. Vous en faites pas. Bon, j'ai gagné quand même, voilà. Mais très très buggé. Allez, on relâche. Besoin d'argent. Traité de paix de la Ligue Ionienne. Non, toujours pas. Ils sont en guerre contre eux. En état client, je dirais pas non, mais là. Il refuse le statut d'état client, et bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Dans ce cas, nous continuerons à nous battre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept tours à peu près. Bon, c'est l'hiver, ok, mais là, quand même. On en profite pour faire nos constructions. Voilà, et avancer petit à petit nos armées à l'ouest. Il me faudra quand même une flotte ici. Hein. C'est quoi? Les compagnons courageux, je vais sûrement les faire aller au Tassos. Ouais, ce sera mieux. D'ailleurs, est-ce que... Oui. Allez chercher. Ah, il fuit quoi? Voilà. Coulons une flotte. Hop. Et hop. Pourquoi là j'ai de la perte? Je suis en eau profonde. Ah mince. Ah oui, mince. J'avais pas vu. Ah, il propose une traite. Ah, il a perdu Athènes. Et... Ah, c'est un état client? Mais non. Ah ouais, bon, on va faire tomber Athènes. Hein. Byzantion Hélice. Ah, ils ont pris Athènes, ça se passe mal. Forcément, après, ils ont les malus. Hein. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue, mais bon. Allez, on va faire ça, du moral, du bonheur public, je veux dire. On va laisser se reposer ici, hein. Il le mérite. Hop, Honneuil, on devrait le prendre bientôt. On a de l'argent ici, hein. On va faire un lieu de rassemblement. Ça permettra d'avoir un peu plus de morale. Hop, direction Tassos. Écoute, si tu veux pas avancer, moi j'avance. Hein.
C'est pas un souci. Au pire, je peux pas te contrôler. C'est pas grave. Pire, j'ai une armée qui te contourne. Hein, j'en ai deux. Ah bah écoutez, savoir-faire avec ce qu'on a. Hein. Allez, du bonheur, enfin de l'ordre public, enfin pour moi. Puis bon, je lui vole pas mal de nourriture en plus. Dans tous les cas, il passe à son avantage. S'il m'attaque dans mes fortifications, je suis heureux. Voilà, vous commencez à... Enfin, vous le savez, vous le savez. Il ne veut pas attaquer dans mes fortifications, il a juste... Très certainement utilisé un noble pour corrompre une unité, comme d'habitude. Hein. Les Athéniens, quoi. Tentative de renversement militaire. Ok, ça me va. Rien à fichtre. Tasse, oui. Hop. Voilà. Un peu de nourriture. On a 23 là, on commence à être pas mal. Hein. Mais on va voir. Ok, les Perses, on n'est pas encore en guerre contre eux. C'est bizarre d'ailleurs. Et on prend un œil. Voilà, mode équilibré, on va essayer d'éviter les pertes, oui. Voilà, ça fera de la nourriture en plus. Ça fera beaucoup de nourriture. Combien il nous apporte? 2, 4. C'est pas mal, hein. Voilà. Conversion culturelle. On pense que ça va servir. Voilà. D'ailleurs, Milos, je m'entends comment avec Milos? Bien, bien, bien. Un pacte non-agression, il y a déjà. Ça m'étonnerait, ouais, voilà. Alliance défensive, bah ouais, il est en paix avec tout le monde. Ah, ça c'est bien ça. Statut client, non. Il veut pas. Ce sera pour après. De l'éloquence. On va se mettre en marche forcée, là, parce que bon, c'est pas excellent, mais... En plus, ça... il y a genre cet espion athénien qui me suit depuis 20 ans. Ah, Olympie, Olympie, alors Hélice. Cet italien... Pourtant, il est pote avec mes potes, mais... Ah, je suis pote avec la Ligue étolienne. Pardon. Je pense que c'est ça en fait qui est bloquant. Je suis pote avec le mec le moins bien vu de tout de toute la Grèce. Donc je pense que effectivement ça peut poser problème. Ah. Constitution 3 tours, 5 tours, ça va. Ah, il y a du monde, hein. Non, mais Carilus, t'es dans la mer, casse-toi. Fais un effort, s'il te plaît. Ouais, monter une petite flotte. Et j'irai à Citer. Pardon, ça me permettra de casser encore un peu plus la dominance parthe. Et faudrait que je prenne l'Orient aussi. En vrai, je pourrais aller prendre l'Orient d'ailleurs. Maintenant que je peux passer ici, je vais aller prendre l'Orient. Capelle-œil. J'ai énormément de d'ordre public. Oh merde. Capelle-œil, enfin dans la région de Capelle-œil, j'ai énormément d'ordre public. Je vais pas me priver pour y aller. Bon, je vais prendre Tassos, j'irai sur Abder après.
Lui commence un peu à me gaver. C'est quoi? Je vais aller là. Je vais l'attendre. Je vais prendre ta sauce. Sérieux? Apparemment, il va falloir que je me batte sur le champ parce que là, j'ai beaucoup trop de pertes pour rien. Donc, je mène la bataille sur le champ. On se retrouve de suite. Et ben voilà, c'est quand même mieux que 35% de survivants. Vous allez voir. Et quand même. Hein? Moins de 10% de pertes, c'est quand même mieux que 35% de survivants. Voilà. Eh ben, ça nous fait une ville de plus. Oh. Oh, on peut recruter des... Recruter. Non, on peut recruter des hippies même. Oh, c'est bien. Allez. Des mines. Ça rapporte plus. J'ai pas la Samos parce que là on voit qu'il y a un petit passage ici. Ce sera pas le meilleur, la meilleure chose à faire. Pareil ici. Ah non, il n'y a pas de passage. Il y a un glicarnage juste en face par contre. C'est pas. Non, je vais pas faire que ça. Je vais aller. C'est qui ça? Ok. Ouais, je vais laisser ça tranquille. Oh! Une petite armée à aller choper là-bas. Ouais. Je vais y aller tranquillement. Il y a un patrouille d'ailleurs. Voilà. Ici, on aura bien joué. On va pouvoir faire. Ouais, c'est bien, mène la charge. Et c'est ici que je vais vous laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on aura quand même pas mal sécurisé la partie centre de la carte. Donc avec Krenides, Tassos, bon, il restera Myrina, hein, certes. Et les îles grecques de Paros et Naxos. On continuera ça lors du prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao!